Je m'appelle Fodé Kieta, je suis le maire de la commune de Dingoli. Nous sommes là ce matin pour, comme le préfet l'a dit, procéder au lancement officiel dans le recensement de fonds de la distribution des kits aux ménages vraiment impactés par le Covid-19. Et c'est le lieu de remercier le sous-préfet au nom du chef de l'État vraiment de venir en accord aux populations durant cette période de crise sanitaire qui secoue vraiment le monde entier. Comme vous l'avez vu, c'est une satisfaction vraiment des collectivités territoriales qui remercient de passage son Excellence le Président de la République et son gouvernement à travers vraiment les autorités administratives qui sont là à côté de nous, qui nous ont vraiment facilité la tâche vraiment pour le ciblage de l'extension des vivres qui étaient venus, mais également réaménager un peu des doublons qui étaient constatés au niveau vraiment du RNU. Ça a été vraiment un travail, comme il a dit, inclusif avec l'ensemble des acteurs de la commune. Donc c'est le moment aujourd'hui de remercier tous les acteurs, remercier l'autorité de l'arrondissement, en l'occurrence le sous-préfet, vraiment pour ce travail fastidieux qui a été mené à bien pour arriver aujourd'hui à cette distribution des kits aux ayants droit. Donc c'est ce qui nous réunit, Baro. Donc je suis très content au nom des populations de ma commune. Je remercie le gouvernement, le chef de l'État et son gouvernement à travers vraiment les autorités administratives qui sont à nos côtés. Moi, je suis un bénéficiaire. J'ai bénéficié de 2 sacs de riz, 18 morceaux de savon, c'est-à-dire un paquet, 10 litres d'huile, le sucre. Comme il a été dit à la radio, on a suivi à la radio, partout, à la télé. Vraiment, ça s'est passé dans la transparence. Tout le monde est content. Nous sommes très, très contents. Baro, c'est Mamoudou Diouf, sous-préfet de l'arrondissement de Fongolemi. Ce matin, on est là pour procéder au lancement de la distribution des kits alimentaires destinés aux ménages dans le cadre du programme de résilience économique et sociale initié par son Excellence Monsieur le Chef, son Excellence Monsieur le Président de la République pour venir en appui pour accompagner les ménages vulnérables mais également les ménages qui sont impactés par cette pandémie qui aujourd'hui ne cesse d'impacter les populations partout dans le monde. Et je crois que c'est un programme inédit, initié par M. le Président de la République, pour venir accompagner les populations, les ménages. Et aujourd'hui, on est là à Dingoli pour procéder au lancement des kits destinés aux 762 ménages issus aussi bien du Registre national unique que du ciblage qui a été fait de façon inclusive, de façon participative par les comités villageois, le comité communal présidé par le maire et validé par le comité d'arrondissement. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez bien vu que ça se passe très bien. Les populations sont là et ils ont bien apprécié cet appui venant de son Excellence Monsieur le Président de la République. Vous savez, c'est pas évident. Le contexte est très difficile. Mais avec ces vivres, je crois que quand on demande à un ménage de rester chez lui, je crois qu'il pourra le faire. Un chef de famille qui, d'habitude, allait au travail pour avoir de quoi nourrir sa famille, s'il a un kit composé de 100 kg de riz, 10 litres d'huile, 10 kg de sucre, 10 kg de pâte et 18 morceaux de savon, je crois qu'il pourra, avec ce kit, rester à la maison et vraiment éviter, tant bien que mal, d'être en contact avec la maladie.